Bonsoir, ici Monsieur Cacahuète. Ce soir, je vais vous présenter le jeu Death Rally, un jeu qui était réalisé pour Apogee Software. Death Rally, donc, c'est un jeu qui fait un peu penser à Death Race, course à la mort. En fait, on incarne un pilote qui commence par un véhicule pas très performant, qui peut optimiser en améliorant moteur, armure. Les roues, les maniabilités des roues. On peut aussi mettre des piquants sur la voiture, mettre un turbo, un boost, des piquants, des mines, tout ça. Et donc on participe à des courses pour gagner de l'argent en fonction de notre position. Donc tous les coups sont permis et le but du jeu c'est d'être le meilleur. Alors j'avais déjà tenté de faire une vidéo dessus. Le problème c'est que j'avais fait une vidéo d'une traite d'un bout à l'autre, mais je ne savais pas que l'enregistreur vidéo avait découpé à chaque fois entre chaque course. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec 268 morceaux de vidéo. Ce qui était trop pour Movie Maker qui plantait au bout de 130 morceaux, il se mettait à planter. Donc je m'étais dit, j'ai assemblé les morceaux 30 par 30. Seulement, à force de compresser et recompresser derrière, tout mon travail devenait très sombre, voire noir au fur et à mesure. En fait, tout ce que j'avais filmé était détruit. Et donc je me suis dit que, étant donné la façon dont ça se découpe, que j'allais refaire à nouveau le jeu complètement, et cette fois-ci donc je vais procéder par épisode. Donc là je vais vous montrer donc dans le premier épisode du jeu Death Rally, donc de la première épisode de ma vidéo sur le jeu Death Rally, je vais vous montrer donc toute la partie avec le premier véhicule jusqu'au rachat du véhicule suivant. Donc voilà. Donc sachez aussi qu'il y a un remake qui est sorti sur Steam, un remake du jeu. J'ai vu des images, ça a l'air pas mal, mais après est-ce que c'est vraiment bien, je ne sais pas. Voilà, donc bah, je vous laisse découvrir donc le mode story de Death Rally. Pour le mode multijoueur, le problème c'est que à mon avis les réseaux sur internet n'existent plus vu l'ancienneté du jeu, et pour jouer en local il faudrait brancher plusieurs ordinateurs ensemble, sinon je n'ai pas la possibilité. Voilà, donc trêve de bavardage, c'est parti pour Death Rally.
tree makes me dizzy. Hey man, I'll make you an offer you can't refuse. Get ready to go!
Final laugh, go for it! Go!
Machinery.
Voilà donc pour cette première partie de Death Rally. La voiture par laquelle j'ai commencé, elle s'appelle Vagabond, donc c'est une coccinelle. On se retrouve dans un petit moment, je pense que ce sera pour demain. Enfin bon, vu que minuit est passé, qu'il est 3h du matin, donc ce sera plutôt le même jour. Plus tard dans la journée, je ferai la deuxième partie. Et ainsi de suite pour chaque véhicule. J'ai oublié de vous dire, le jeu, c'est un jeu qui fonctionne sous MS-DOS. Donc il vous faut un émulateur DOS, DOSBox c'est parfait. Ou si vous ne savez pas vous en servir, vous avez TopiaBox qui est beaucoup plus simple de fonctionnement, avec une interface. Pour pouvoir profiter pleinement du jeu, il faut régler les cycles en vitesse 20 000. La vitesse de base, elle est trop lente et tout, ça lag et c'est un jeu. Donc il faut que vous pensiez à régler les cycles sur 20 000. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et au revoir. Ho, 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 ho.